Et hop, j'ai coupé cette branche. Ce bourgeon qui est là est pareil, on pourrait le laisser puisqu'on aura un fruit ici. Ici, on s'aperçoit que nous avons trois ou voire plusieurs fleurs. Donc, ce qui est intéressant, eh bien, il y a une belle future fructification et une belle floraison. On va en éliminer un petit peu puisqu'il y en a un petit peu trop. Ici, on se retrouve avec une branche où il n'y a absolument rien, on ne voit pas de bourgeon. Eh bien, ce qu'on va faire, toujours avec le sécateur et toujours bien présenté, on va couper celle-ci. Là, on se retrouve avec une fleur. Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur cette branche-là. Là, on s'aperçoit qu'il y a une branche avec des bourgeons à fleurs. Vous allez me dire, mais elle est déjà coupée. Eh bien, cette branche a été coupée au mois de juillet de l'année dernière, juillet au mois d'août. Total, c'était une pousse verticale. Elle a favorisé des bourgeons à fleurs à la base. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Eh bien, on va la couper puisqu'elle a fait, elle a rempli complètement son travail et on se retrouve avec des bourgeons à fleurs. Vous l'avez remarqué devant moi, j'ai une quantité de branches verticales. Eh bien, on va les couper puisqu'on se rapproche le plus possible de la branche charpentière. Voilà comment on taille un arbre fruitier. Et si on avait des trop grosses branches, eh bien, on pourrait faire une greffe en couronne que vous avez là de façon à rejeunir un arbre. Voilà comment on taille les arbres fruitiers, les arbres à pépins en ce moment au mois de mars. Et je suis venu avec une branche aujourd'hui, une branche de forsythia. Voilà, ils sont en pleine fleur maintenant. Eh bien, il faut le savoir, pour qu'ils soient en fleur comme ça, l'année prochaine, il faut, même cette année, juste après la floraison, il faut les tailler. Alors, messieurs, offrez des fleurs de forsythia à vos dames et l'année prochaine, ils seront encore plus en fleur. À la semaine prochaine et bon week-end sur France 3.